Eh bien, yo tout le monde, c'est Koga, j'espère que vous allez bien, les amis. Pour ma part, ça va super. Du coup, aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une petite vidéo détente sur Assassin's Creed Bloodlines. En même temps, ça vous permettra de voir à peu près à quoi ressemble le jeu, quel type de gameplay c'est. Puis voilà. Donc, du coup, les amis, on se retrouve là, à un endroit où... pas très avancé du jeu, franchement j'ai un peine de lancer le jeu. En fait j'ai fait le tutoriel, hein. Clairement j'ai juste fait le tutoriel et c'est tout. Donc dans cette vidéo on va juste s'amuser à buter 2-3 gardes templiers et puis voilà. Du coup alors vous devez avoir l'impression que le jeu lag. C'est possible que par moment il y ait des lags, des fois j'ai des petits coups de lag sur ce jeu, je vais pas vous mentir, mais bon, en même temps regardez-moi la qualité, enfin pas la qualité vidéo parce que c'est franchement pas très très beau à voir, vous allez me dire c'est de la PSP, mais je veux dire c'est un jeu 3D, hein. Quand on passe de DBZ qui est un jeu de combat 2D à ça où c'est vraiment en 3D, que c'est vraiment très beau, enfin très grand quoi, donc voilà quoi. J'ai raté mon contre. Allez-y, attaquez-moi. Hop là. Hop, toi tu meurs. Allez, venez. Aïe. Hop, deuxième. Voilà, donc il s'enfuit. Revenez là. Hop. Voilà, donc vous pouvez voir à peu près quel type de jeu c'est. C'est vraiment un jeu, un gameplay que je kiffe ma race. De toute façon, l'AC, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais franchement, pouvoir y jouer sur mon ordi, ça me botte, hein, franchement. Et faut dire ce que c'est, mais pour un jeu PSP, je veux pas dire, mais c'est vraiment bien, quoi. C'est super. Enfin, moi, j'ai jamais eu la PSP, personnellement. Enfin, j'ai déjà eu une PSP entre les mains, bien sûr. Mais elle était pas à moi. C'était un cousin. Et le jeu que j'avais joué, c'était Tekken 6 et... GTA, voilà. Je raconte un peu ma vie, je sais. Oula, c'est un peu bugué, ça. Voilà. Le fond un peu chelou, enfin le... espèce de filtre un peu chelou qu'il y a dans le jeu. C'est pas moi qui l'ai rajouté au montage, c'est vraiment le jeu qui est comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça fait un peu bizarre. Enfin bon. Bonjour. C'est moi que vous cherchez. Tuer 50 soldats. Je suis en train de tous les zigouiller, les pauvres. Ils comprennent rien à leur vie. On va changer d'arme, on va prendre les couteaux. À la violence. À la violence. Enfin bref. Du coup, je vous propose de faire une petite mission. Ouais mais ah, ça risque de vous spoiler un peu le jeu. J'ai peur que ça vous spoil en fait. Ça vous spoil le let's play à venir. C'est ça le problème. Non mais arrête de te cacher Altair. Ah putain. Je peux pas sortir. Il a rien eu le temps de faire le pot. Il s'est fait mais défoncé. C'est une rare violence. Alors très bien. Alors oui, je suis désolé pour les petits bugs, mais il y aura ça aussi pendant le let's play. Enfin, j'espère qu'il y aura un peu moins, j'essaierai de faire en sorte qu'il y ait moins de bugs. Mais bon, voilà, vous savez très bien que j'ai un PC très très moisi. Donc du coup, voilà, c'est un peu galère.
par mois. Ah, une tour de synchronisation. Je l'ai pas encore faite, on dirait. Non, c'est vrai, faut que je passe par là. Parce que oui, bien sûr, j'ai déjà fait cette mission par le passé, puisque j'ai déjà joué au jeu. Bien entendu. Si je me mets... Alors, attendez. Là, pour bouger la caméra, c'est pas très bien opté, je trouve, personnellement. Ciblé. Et voilà, du coup il m'a pas vu. Et je me cache. Je te cible. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Délivrer le message à Haussmann sans vous faire repérer. On va tuer celui qui est derrière parce qu'il va trop me casser les pieds. Bon, ça vous spoil un peu le jeu. Ça va vous spoiler une mission. Mais j'ai envie de vous dire une mission sur des dizaines. J'ai envie de vous dire... Ah oui, donc le perso bug, hein, genre des fois il glisse. Ça vient très sûrement de mon émulateur, j'ai envie de vous dire. Ça vient très sûrement de mon émulateur, étant donné... Enfin, pas de l'émulateur, mais de mon PC. Hein. Quoi? Genre d'où ils m'ont vu? Ouais, putain, ça me saoule. Bon, on va y aller un peu plus. Maudit Templier, retire tes sales pattes. Laissez cette dame. Je vous prie. Voilà. L'homme, pas du tout sûr de lui. Ah oui, ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'au moins, j'aurai pas à lire les textes et à galérer. Parce que tout est doublé en français. C'est cool, hein. C'est pour ça que je kiffe ce jeu surtout. Parce qu'il n'y a pas à lire. Je galère à lire. Sans vous, j'aime pas lire. Brute m'aurait tué, c'est certain. Voilà. Donc du coup, quand il y aura des... Des cinématiques, bah je vous mettrai les cinématiques et je vous montrerai le son du jeu. Donc ce sera très cool. Voilà. Donc, du coup, alors les petits ronds qui apparaissent, en fait, c'est des endroits où Altair peut se cacher pour devenir anonyme. Voilà, ça arrive mieux. Je me demande si... Hop là. Voilà, je vous défonce. Je vais essayer de passer par en haut. Eh mais... Attendez, j'ai plus que deux barres de vie. Alors les barres de vie, c'est ce qu'il y a en haut à gauche. Je vous ferai un petit zoom au montage. Si je y arrive. Si j'ai la patience surtout, ça a l'air d'être un peu dur sur mon logiciel à faire. J'ai pas un logiciel professionnel, veuillez m'en excuser. Je ne suis pas un pro. Un pro youtubeur PGM. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer là. Et voilà. C'est très simple. Bonjour Haussmann. Alexandre m'a demandé de te saluer, et il souhaite un joyeux anniversaire à ta grand-mère. Ah, la pauvre femme, paix à son âme. Dis-moi, que puis-je faire pour toi, l'ami? J'aimerais savoir ce qui a poussé les Templiers à acheter l'île de Chypre. Ils y cachent un trésor? Je ne suis pas assez haut placé dans la hiérarchie pour te répondre avec certitude, mais j'ai entendu parler d'une archive. Une archive? Intéressant. Qui est le chef des Templiers à Limassol? Un chevalier appelé Frédéric le Rouge. Il entraîne les soldats au château, une véritable brute. Maintenant que le capitaine de la garde est mort, peux-tu me faire entrer? Si je suis appelé à le remplacer, je ferai en sorte que les gardes du château relâchent leur vigilance pendant un moment. Ça te laissera assez de temps? Plus qu'il n'en faut.
du coup maintenant faut qu'on retourne à notre quartier général. On a formé nos amis que donc c'est bon, on a rempli la mission. Franchement, pour un jeu PSP, ce Assassin's Creed est vraiment super. Franchement, je vais pas arrêter de le répéter pendant toute la vidéo, mais je kiffe ce jeu. Faut mettre des patates de forain. Faut mettre des patates, donc c'est cool. Vous êtes fou? Vous êtes ouf? Eh non! Allez, viens là! Eh non! Hop là! Allez, viens! Hop! Eh non! Adieu, mon pote! Hop! Franchement, faut que j'essaie de réduire ces petits. Baisses de framerate. Parce que là, ça va, c'est une petite vidéo détente. Je vais en plus bientôt arrêter. C'est une petite vidéo détente, donc au pire, ça passe. Mais pendant un let's play de plusieurs épisodes, ça va vraiment pas le faire. Bon, je sais que le let's play, je vais pas le faire avant un moment. Mais bon, voilà, vaut mieux prévoir. On ne sait jamais. Enfin bref, je vous tiendrai au courant. Du coup, hop, on rentre chez nous. Merde, faut que je sois incognito pour pouvoir rentrer chez moi. Enfin, rentrer chez moi. Ceci est un bien grand mot. C'est plutôt rentrer dans ma cachette. Ma cache secrète, comme vous appelez ça. Et c'est une cache, pas une cage. Comme on pense que je le dis des fois. Des fois, j'articule très mal. C'est pour ça que je n'aime pas lire pendant des vidéos parce que je ne comprends pas ce que je dis des fois. Haussmann est en train de faire le nécessaire. Parfait. Et maintenant, laissons-lui un peu de temps. Il m'a parlé d'une archive des Templiers. Sais-tu de quoi il s'agit? Évidemment. C'est là que nous rangeons nos sous-vêtements. Chypre serait l'endroit idéal pour y conserver des armes et des documents. Sans oublier que sur le plan stratégique, c'est une île plutôt facile à défendre. Si seulement notre imbécile d'empereur avait fait preuve d'autant de prévoyance, le roi Richard n'a fait qu'une bouchée de lui. Je ne serai pas long. Ok, donc les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On va s'arrêter ici pour cette vidéo détente sur Assassin's Creed Bloodlines. J'espère franchement que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de regarder le let's play que je ferai un peu plus tard. Donc du coup, moi les amis, franchement, j'ai hâte de faire le let's play. Bon, faut d'abord que je finisse Shin Budokai, mais bon, j'ai hâte de faire le let's play. Franchement, j'espère réussir à réduire les baisses du framerate parce que là, c'est vraiment pas possible. Et voilà, du coup, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Tiens, les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde, peace.